Tu es déjà là. Super. Tu m'amènes prendre une glace. Histoire de faire plus ample connaissance. Non, ce sera pour une prochaine fois. Quoi? Ne suis-je pas assez bien pour te tenir compagnie? C'est pas ça, Amina. Quoi donc? À ce que je sache, tu n'es pas mariée. J'ai pas accouru ton dossier. Le truc, c'est que j'ai pas assez d'argent aujourd'hui pour t'offrir une glace. Tu étais sur le terrain avec Saboulou. Et où est le rapport? Mais tous ceux qui vont en route reviennent toujours plein aux as et nous mettent en haut. Tu ne vas quand même pas me dire que tu n'as pas eu de bakchiche. Amina, je ne vis pas d'arnaque. Attends un peu, où est-ce que j'ai mis les pieds là? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ma parole. Saboulou. Félicitations, inspecteur, pour votre bravoure. Nous sommes au courant de tout ce que vous avez enduré ces jours. Et surtout l'intrépidité dont vous avez fait montre. Pour une bonne nouvelle, mon commissaire, c'en est une. Vous méritez que je vous dise cela. Ça me va tout droit au cœur. Il est la loi. Sa matraque et son sifflet. Il ne donne pas le lait, il ne prend sa part. Sa boule avec sa tenue et son insigne. Il ne donne pas le lait, il prend sa part. Il n'y a que le sommeil qui me prend quand je suis dans tes bras. Qu'est-ce que j'étais? Gonda. Quand tes mains me touchent là, je crois que même d'abord on ne peut pas m'inquiéter. Parce que je t'aime. Et tu vas me faire quoi pour que je t'aime comme ça? Excuse-moi, chérie, j'avais faim. T'as faim comme ça? Reviens ici. Ah, reviens là. Mon bébé à moi. Oh, quand je suis avec toi, je crois que même la mort ne peut pas m'atteindre. Ton larme, c'est l'âme, non? Il n'y a que le sommeil qui me prend. Oui, non, c'est bon. Ouais. Sur ton téléphone, là, vous perds-tu? Où tu reprends, où tu l'éteins? Allô? Ma mission est annulée et... Non. Qu'est-ce que... Allô? 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 Je t'entends mal. Allô? Voici les dossiers de M. Toukam que vous m'avez demandé. Ah. Combien de fois est-il déjà revenu pour le même dossier? 4 fois, mon commissaire. S'il revient, dites-lui que je n'ai pas de temps. Le temps, c'est de l'argent IPP Moncam. Au fait, dites à l'officier du camp que je veux le voir tout de suite. Le message sera transmis, mon commissaire. Merci.
Excuse-moi, chérie. Je m'excuse. C'était mon frère. Il vient d'arriver. Tiens à me voir. Quelle est donc l'urgence? C'est tellement un problème d'argent. Gonda, je parie que tu es la banque de ta famille. Ah oui. On peut dire ça. Mais tu sais, je compte sur toi. Il n'y a pas de souci. Depuis quand j'ai déjà manqué à remplir mes devoirs. Oh, c'est pour cela que je t'aime si fort. Moi aussi. Moi aussi. Je t'aime. Merci. Mais qu'est-ce? Pardon. Pardon, vas-y vite, avant qu'il ne défonce la porte. C'est même quoi ça? I'm coming. Coming. Étais-je pas dit de ne pas venir? Je te vois quand je veux. Je n'ai pas peur de ton vieux. Là n'est pas de problème. Tu risques de faire voler ma relation. C'est ton problème. S'il te plaît, j'ai une faveur à te demander. Du moment où ça me rapporte gros. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Je suis tout oui. Tu vas te faire passer pour mon frère qui vient d'arriver du village qui a besoin d'argent pour la réparation de la conciliation familiale. Pas question. Mais pour qui tu me prends à la fin? S'il te plaît, fais ça pour moi, s'il te plaît. Je te demande pas trop, je vais faire tout ce que tu me demandes. Fais ça. Si tu pouvais voir ta tête. Bonjour ma chérie. Bonjour mon petit cœur. Apparemment c'est qu'on m'a déjà oublié. Comment est-ce que je peux ignorer un mignon garçon comme toi? J'ai cru qu'un mâle plus fougueux que moi t'avait déjà conquise. Ah, pas après la plus belle nuit d'amour que nous avons passée ensemble mon chéri. Hé, hey, parle doucement s'il te plaît. Si l'inspecteur Samboul arrive ici, il peut me brutaliser. Ah bon? Et qui t'a dit que je sois avec l'inspecteur Saboul? Écoute, s'il te plaît, fais-moi un transfert de 500. Écoute, je te paie tout à l'heure dès que je bloque une affaire que je suis en train de suivre. N'est-ce pas? Je vous connais. Quand ton moineau va tomber, tu vas m'ignorer. Mais vous n'avez pas discuté dehors. Chérie, c'est mon frère. Je vois même la ressemblance. Excusez-moi, la faute m'incombe. J'ai encore beaucoup de choses à faire avant demain. Dans ce cas, tiens ça, ça va t'aider. Merci mon père. Je parlerai en bien de vous à maman. Ah, je n'ai pas autant besoin de ça. Là n'est même pas le moment. Il faut te dépêcher, sinon tu ne veux pas trouver la tante à la maison. Hein? Je peux quand même prendre le temps de siroter un verre, non? Non mon beau, allons-y. Non. Mais chérie, ce n'est pas pour un verre que la rencontre avec votre tante va capoter. Non, elle a raison. Elle a raison, il faut vraiment que j'y aille.
J'espère que c'est à la prochaine qu'on va faire plus ample connaissance. Le plaisir est partagé. En fait, je m'appelle Ebois. Ah, mon beau Ebois. Et moi, c'est... Ipe Sabolo. Très original comme nom. Quoi? On va acheter. Je te demande de me faire le transfert. Je te demande de me faire le transfert. Oh, quand tu me fais pas un transfert, tu vas enlever ton kiosque là ici. Est-ce que tu me comprends très bien? Je te rappelle que c'est Gottlob lui-même qui m'a installé ici. Donc je ne bouge pas. Ah bon? Donc tu sors aussi déjà avec Gottlob. Et même si c'est vrai, ton problème est où? Tu n'es qu'une sale pute. Ah bon? Tu n'es qu'une sale petite pute. Je comprends ton problème. Votre problème à vous tous les policiers, c'est de d'exploiter d'aigre ou de force vos vis-à-vis. Même étant salarié, vous voulez sucer vos victimes jusqu'aux os. Et vous voulez me mettre dans la liste. Et quand tu te rends ridicule, tu te comportes comme une petite gamine. Moi, gamine? Oui. Moi, petite fille? Mon œil. Parce que je t'ai vomi la vérité. Je ne te croyais pas comme ça. Je veux mon argent. Tu as 4350 à me donner. Donne-moi mon argent. Fais-moi le transfert. Je reviendrai quand tu seras encore plus calme. J'attends. Ma jolie, apporte mon reste de viande d'antilope d'hier. Ok. Allô, Sabulu. Mon frère, je suis en voie de savourer mon plat préféré. Quoi? Mais joins-toi à moi, vieux frère. Ah, c'est elle qui te fait perdre la tête, je suppose. Ok. Dans ce cas, dis-lui bonsoir de ma part. Chef, j'ai besoin d'intervention. D'intervention musclée. Vous êtes tombé sur la bonne personne. Merci. Déjà, moi, c'est Jean-Bien. Moi, c'est Mbami. Enchanté de faire ta connaissance. Un plaisir partagé. Ça fait des mois que je t'observe.
J'ai remarqué que tu es différente des autres filles du collège. Ah bon? Bien sûr. Et en quoi suis-je différente? Ta manière de faire. Tu n'es pas comme les filles, les élèves qui passent le temps à se pavaner au sein du collège. Tu es plutôt cool, séduisante et très distante. Ah, c'est mon habitude à moi. C'est ce que j'aime en toi. Et pour tout te dire, je suis amoureux de toi. Faut attendre de mieux me connaître. Ensuite, je ne suis pas encore prête. D'accord. Il n'y a pas de souci. Pour toi, j'attendrai tout le temps qu'il faudra. Ok. C'est bon pour un début. Votre carte, monsieur. Monsieur Essaya. Chef. Cela s'est passé où concrètement? Chez moi. En pleine journée. Avez-vous identifié votre agresseur? Oui. Je sais même où on peut le retrouver. Dans ce cas, ne perdons pas du temps. Descendons sur le terrain en vue d'une interpellation. Remettez-moi 10 000 francs pour le carburant. Chef, 10 000 francs pour le carburant? Chef, si on allait à moto, la moto boit l'eau. Vous me racontez quoi? Je pensais qu'on allait d'abord enregistrer ma plainte. Ouvrons donc la plainte. Je vais vous dresser la liste des différents éléments qui entrent en jeu. La liste? On m'a dit que je peux même faire une plainte verbale. Une plainte verbale? À quoi serviront ces tomes de papier? Allô, toilette? Ça va, chef. Il vous faudra un certificat médical. Une liste des témoins que vous ramènerez ici. Une copie légalisée de votre acte de naissance. Un état de dommages corporels que vous avez subi lors de cette altercation. J'entends par là, en dehors de votre œil qui est pioché, toutes les autres blessures que vous avez subies, que vous avez eues, enregistrées. Un plan de localisation du lieu d'agression, légalisé. Une demande formulée. Chef, autant de documents. J'ai l'impression que vous êtes venu m'apprendre à faire mon travail. Hein? Qu'est-ce qu'il y a de plus normal si je vous demande de me produire un certificat médical attestant les dommages que vous avez subis? Là, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il y a problème à quel niveau? Sur les témoins que je vous demande de produire? Monsieur Essaya. Chef. Sachez que dans cette vie, il y a des personnes. Des maniaques. Des masochistes et même des sadiques qui peuvent s'enfermer dans une pièce d'une maison, se déchiqueter le visage, se piocher un œil, comme c'est votre cas, simplement pour nuire à autrui. C'est vrai, mais moi je ne suis pas de ceux-là. Hein? Vous avez subi des dégâts, des dommages corporels. Vous allez engager des frais pour vous soigner. Vous n'avez pas envie d'être remboursé? Bon, ça va chef, on y va. Je vais faire tout ce que vous voulez. Je suis l'inspecteur Sabou, le doyen du poste de Nimeki. Je vous rappelle bien que je suis le doyen du poste de sécurité publique de Nimeki. Ne me perdez pas de temps.
Ça va, chef, j'ai compris. Comme vous avez trop pleuré, en dehors de la plainte, vous allez me produire un certificat médical. 5000 francs. Comme vous ne pouvez pas rassembler tous les autres papiers, vous allez me donner 7000 francs pour cette commission. Ça va vous faire 12000 francs. Remettez-moi cette somme et je vais faire le reste. Je n'ai pas 12000, chef, mais... Ok. Je vais mettre le petit reliquat en consigne. Hein? D'accord, chef. Portez votre numéro de téléphone ici. Merci, chef. Allez à la maison. D'accord, chef. Je vous appelle dès que j'arrive. D'accord, chef. Merci, chef. Allez-y. Évitez le soleil, hein. Bien compris, chef. Allez-y. Où est-ce qu'un minard peut mettre... Oh, petite bambin. Tu as vu? Ça, c'est le fruit de la connaissance. L'école a dit que, on nous a dit à l'école que, tu vas passer s'il me demandait une bouteille d'eau. Tu vas manger l'école là. Sabolo. 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 Il est la loi, mais il fait sa loi. Il est la loi, mais il fait sa loi. Avec sa matraque et son sifflet, donne pas le lait, il prend sa part. Sa boule avec sa tenue et son insigne. Il ne donne pas le lait, il prend sa part. Ça, c'est sa boule. Il vit son temps dans le temps. Et il s'en fout du lendemain. Ah ouais, ouais, c'est sa boule. Il grandit dans le faux. Et en plus il est fort, hein. Tu t'amuses, il te cogne avec ses pieds. Il est costaud. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Sa loi à lui. Il est la loi. Il est la loi. Mais il fait sa loi. Il fait sa loi. Il ne manque jamais de motif. Pour lui l'argent est le dossier. Il s'en fout des conséquences. La morale est dans sa poche. Ah oui, oui, c'est sa boule. Ben Skinner, il l'attrape.
C'est le gombo, gombo. Taximène, il attrape. T'as dit pour toi que je ne paye pas.